nous m'a préparé pour me quitter bureau et puis m'entendez un paquet de détonation et dans zone et boulon yo et bon là nous chercher ça et connait ça gagne yo dit nous c'est fantôme 509 qui dans la rue mais faut que moi tout et un bon petit temps avant ça et moi était dans réunion avec Maxime Oni et qui t'a pral la caille et il était informé moi et Badelma et t'es gagné des problèmes côté que fantôme 509 était dans la rue et donc nous pas connait si t'a fait toute zone ça et c'est après nous apprendre qu'il était petit envie de tout côté ça yo. Bon, ça vient faire que nous, après la réunion, nous venons quitter Biwa et bien tard. Et m'a tout dit autour, et bien des mouns, les fantômes 509 fin et descendent, et pendant qu'ils descendent là, lui, t'es des mouns qui en cagoule, qui étaient dans la ria, qui paguaient un lien à ouais avec fantômes, qui étaient sous motocyclette, et bien qui commençaient à voler et téléphone moun volet et bagay moun et non nous te gon paquet moun vraiment qui traumatisé hier et vraiment nous même dans l'IDH nous préoccupé et avec méthode que fantôme 509 a utilisé pour nous faire revendication passé et nous dit violence intimidation et yo et détruit et bien public avec bien privé et des menaces physiques et verbales et c'est vrai revendication yo légitime yo juste et nous connaît dans qui état moral policier yo et journée je dis à moral yo très bas par rapport avec situation yo bien et sorti 2017 pour arriver journée je dis à pas d'investissement qui fait pour et la police là pas d'équipement pas de matériel police pas de bottes et même uniforme pas de rien et soit aller dans commissariat sous commissariat pour garder dans quelles conditions police au travail pas de machine pour faire patrouille donc yo non situation qui est extrêmement compliquée et okay, vous venez à nous garder à nous garder aux revendications et Fantôme 509. Revendication, c'est que gagné un collègue qui est Pascal Alexandre que qui joue à l'arrestation et puis gagné quelques mois monsieur Fermin dans pénitencier national. Qui ont évalué revendication et n'a qu'à dire équipe Fantôme 509 là lui-même. Et Valérie, si nous t'as fait un petit bac et ça t'est passé dans le mois de février. Ou songez dans le mois de février à ça Jean Larrie a été agité avec question syndicat pour la police là et côté que t'es gagné en pile violence qui fait dans la ria et nous songe écrasé brisé qui fait dans champ de mars et devant direction générale la police là et plusieurs côtés et dans zone et métropolitaine là et nous te penser et autorité au CSPN n'a pas et utiliser capable joindre un couloir et pour discuter avec les policiers yo et ben et ça pas fait non premier temps yo t'est allé vers confrontation côté que yo t'est révoqué aussi des policiers yo réintégré encore et puis et situation était vine et calme et c'est laissera yo dit que yo identifié et policier Jean Pascal Alexandre qui sont qui la BRTS comme même dans monde qui t'a crasé brisé dans mois et dans mois février 2020 bien un rapport et le CPJ qui fait et dans sens ça yo arrêté lui yo metté dans prison gagné si me pas trompé moi trois juges description qui passait sous dossier là et dernier juge qui est dossier ça dans main il dit pas proposer aucun acte instruction par rapport avec grève et greffier yo nous connaît greffier yo en grève depuis longtemps avant mon fille d'Orval et mourir assassiné donc
et donc pas gagné et qui fait et policiers ont sorti ils ont demandé pour libérer 5 policiers et Yves Moyo, policiers ont libéré, ils ont été arrêtés dans la condition ils ont été arrêtés, ils ont libéré et puis ils ont fini avec l'autre revendication et pour libérer le policier Pascal. Pour libérer, mm-hmm. ils sont de ceux qui ont mis en destruction, il y a pas qu'à libérer comme ça, il faut une action qui fait bon côté et juge là, et avocat lui, ils sont capables de faire une demande mais lever pour lui. Et jusqu'au moment qu'il a parlé là, et ça va fait. Et pas sans du tout, j'ai l'impression que les policiers qui n'ont et 509 yo, et yo pas participé à pas intéressé yo, pour être acheté avec avocat pour gagner, et avocat yo, pour gagner qui action qui est capable de faire, et dans ce sens là, pour nous joindre. Mm-hmm. Libération et Pascal. Ouais, yo même yo parlant, et option et justice, c'est libération. Libération par tous les moyens. Oui, mais Abdo, revendication et 509 yo allé au-delà des policiers et Pascal. Et contrairement avec ça, en pile monde a pensé, 509 là, c'est la police là. Et moi senti que le premier ministre est connaissant. Hier, dans la question où tu es posé, il dit qu'il n'est pas prêt à aller dans la confrontation avec police, avec fantôme. Eh bien, et fantôme, c'est la police là. Et pas de unité dans la police là qui parle et qui parle de fantôme là-dedans. Donc c'est la okay. unité où jeune qui. Qui n'a fantôme. Donc, où est là? Si elle utilise la force, il n'est pas bon pour vous parce que, à moins que vous n'y a, pas utilisé Genève en face et fantôme. Parce que, vous songez dans le mois de février, pendant que vous avez un dispositif de sécurité et qui te prend pour machin de masse, les tapé festanio et même policiers ont débarqué yo pas tant pile yo crasé stanio et toute unité dans la police là et qui t'a sécurisé et champ de masse et ben et c'est accolade qui ont baillé avec policiers et c'est campé y a observé sa policier a fait donc fantôme là c'est la police là c'est policiers donc si oui, mais est-ce que l'autre dit c'est la police là et faut tu donner expérience l'autre dit c'est la police là. Et c'est certain que tout le monde connaît que gagne un policier en pile qui revendiquait question fantôme 509 là, mais est-ce que ou pas d'accord tout gagne des anciens policiers, gagne des policiers qui ont été révoqués, ou pas d'accord tout gagne infiltration par hasard? Allez, bon exemple là, mais d'où hier pendant fantôme sous la rue gagne et des monde qui avec cagoule et côté que nous nous avons dit mes fantômes, alors que c'est mon capot les bagailles. Et oui, et gagné infiltration, gagné des policiers qui révoquaient. Mais, et moi, ma reprenne encore. Pas une unité dans la police là, c'est toute unité qui n'a fantôme. M'a dit, comme si tout policier n'a fantôme, non, mais il y a un pile. Ou pas qu'à contrôler. La police là, et Valérie, ils ont frustré, ils ont révolté, ils ont victime. Vous me connaissez par rapport à Anpran SPNH, là, syndicat lui-même, ils ont revendiqué droit pour que ils mettent un syndicat dans la police là, et ils ont gagné un monde qui représente eux, ils ont paraît figure, etc. Mais mouvement par Fantôme 609 là, sont, bon, ils ont eu le fantôme, ils sont pas les fantômes. Il n'y a pas fait la visage découvert. Vous parlez de sa premier ministre Andou. Premier ministre Andou, comme ça, il n'est pas capable d'aller dans la confrontation avec fantôme. Il est comme ça, l'a dit. Mais qui est-ce qui est fantôme? C'est policier, ça, qui est famille, qui a massacré dans le quartier populaire. C'est policier, ça, qui vit dans le quartier populaire. Qui sortit dans le quartier et défavorisé.
qui victime même gens avec population et yo victime tout en dans et institution yo impuissant journée jodi a côté que yo pas capable croire bandi avec délinquant yo et pouvoir vinn mettre Genève là en face la police là et c'est ça qui vient faire policier vinn et révolter et n'a pas prendre encore et n'a pas dire encore Valérie. Méthode que vous utilisez, c'est méthode ça, li contraire à toute norme démocratique, yo. M'a pas les pour fantômes, yo, la police là, li là pour protéger avec ses vies. La police pas capable, les policiers pas capable d'utiliser violence, yo pas doit utiliser violence pour faire revendication, yo, passer. Même les revendications, yo, yo légitime. Mais, non, réalité, je ne veux pas dire, côté que ça n'a vive journée aujourd'hui en un pays là c'est résultat c'est gestion autorité au sous pouvoir fait des forces publiques que nous gagnons seule force publique que nous gagnons dans pays là qui c'est et police nationale là donc faut autorité yo joindre une façon pour résoudre problème ça et rapidement et problème là il pas difficile pour résoudre si bien volonté parce que nous ça yo dans institution yo là c'est dans unité yo yo dans simo yo dans idmo yo dans swat yo dans BLTS yo dans IGPN yo dans katim dans toute unité et la police là ou joindre des fantômes et 709 et ou capable constater les fantômes dans l'aria a craser briser a craser bien mou a faire des ordres a fait menace, a fait intimidation pour faire revendication et passer où est l'autre policier qui attaque yo et nan là quand ça arrive côté que et gagne des policiers qui vini soit ou égal mais où est yo tout de ces amis yo policier yo pas attaqué policier pareil yo donc ça veut dire que aujourd'hui là nous livrer à nous-mêmes pas d'insécurité. Les fantômes dans la rue, pouvoir dans la rue. Ma préoccupation. Pouvoir dans la rue. L'État. Les fantômes dans la rue, pas ni l'État, pas ni sécurité dans le pays encore. Ah, ok, d'accord. Oui, ok, d'accord. Pas de problème. Ma va retourner sous point ça. Cinq policiers qui ont été arrêtés, Udmo, ils ont été libérés, et nous sommes des discussions que nous faisons hier avec le Premier ministre. Et ils estimaient qu'ils ont été violés, et les gens qui ont été faits là, ils n'ont pas été corrects. Qui nous avons dit parallèle que nous avons fait avec K. Jean-Pascal Alexandre? Est-ce que les quatre étaient les mêmes gens? Non. Et K. Pascal Alexandre pas capable de être même gens parce que pour ces policiers commissaire gouvernement étaient arrêtés et jour étaient arrêtés vendredi passé vendredi 11 septembre et c'est un arrestation alors il était en dépôt et c'est une décision illégale arbitraire mais pas oublié c'est sous compte commissaire gouvernement et une autorité politique passer l'ordre et premier ministre pas besoin de parler dans la radio il était capable parler avec le ministre ici et pour notre résoudre problème non et commissaire gouvernement vient libérer mais couille là dans cas ça commissaire gouvernement pas capable libérer Pascal son dossier qui dans cabinet d'instruction et celle et nous qui capable libérer c'est faire une action en habeas corpus et madame me levé pour lui et yo capable lever yo capable libérer mais et bon n'a bien scope pour ça à la vérité son pratique qui vient dans le système là côté que même si dossier qu'on a dans cabinet de discussion ou qu'on ouvre des actions qui fait bon côté doyen dans quel cas et doyen qu'on fait des autres ça yo libérer le monde ou bien tout yo capable faire une requête directement bon côté juge d'instruction pour libérer mais et, donc c'est pas la même situation. Et okay. Mais faut que les policiers font déclaration et dans la presse ils demandent libération libérée alors c'est dans le cas ça faut qu'on fasse une action faut, okay, faut d'accord faut pas justice sans sérénité
Pierre Espérance. Je dis à la, ou là, ou y'a là, c'est parce que Fantôme 509 décide au calan là, ou y'a. On dit, y'a décidé à bouler machine, pas gagné qu'à empêcher au bouler machine. On dit, y'a mis du feu la caillou, pas gagné qu'à empêcher au fel. Et on saute d'accord que, dans sa nouée là, nous livrer et à nous-mêmes. Qu'on y a un juge qui gagne dossier ça là, mais on va penser sécurité de menacer tout. Oui, et juge là, il y a. Parce que quel que soit ça, juge, Andy, juge là, pas obligé de prendre décision à caler dans le sens et d'accord à dire accusé. Mais oui. Automatiquement, tout le monde qui a attendu là, monsieur est certain, il connaît que depuis un juge prend le dossier ça, il y a un grand bal, il dit, il a pris pour la guerre, il a pris pour la guerre Alexandre, parce que de toute façon, si juge a quitté Fantôme 509 Croix-Javel, il a tué, il a boulé la machine, il a pris le contre la Cali, il a mis le la Cali, et ainsi de suite. C'est dans la réalité, ça n'y est là. Et c'est ça que dossier a, si je ne me trompe pas, Alexandre, il a arrêté dans le mois de mai 2020, c'est ça me pensais, si je ne me trompe pas. Et dossier, ça fait le troisième juge qui est sur le dossier. Et donc, lui, pour qui ça a désisté? Pour ça, ça dit là, non? Ah, ok. Il y a peur, à cause de Fantôme 509 là. Mais on est d'accord, il y a peur avec raison, Pierre Espérance. Avec raison, et côté qu'il n'est pas capable de traiter le dossier ça avec sérénité. Et moi d'accord. Et qui démarche qu'on pourrait faire côté juge et pour démarche qu'on a fait et pour ne pas être favorable avec des demandes qu'on a fait. Mais de bagaille, ou bien le juge a quitté le dossier, ou bien l'a libéré parce que le juge n'a pas senti en sécurité, il n'est pas en sécurité, il n'est pas en sérénité pour lui traiter un dossier comme ça. Et par rapport avec toutes les menaces à l'eau. Donc, Nakasa, c'est ou bien le juge a quitté le dossier, il a déporté lui, ou bien le juge a. Et décider libérer les policiers. Mais Valérie, m'a dit on va aller. Et autorité en Haïti, les problèmes arrivés, ils n'ont pas anticipé. Ils ont toujours allé dans la confrontation. Et dans le mois de février, il y a un pile des autres qui fait dans la RIA. Même pensé, inspection générale de la police, là, avec des CPJ, que doit faire une enquête sur tout événement, yo, identifier les gens qui font des audios, si les gens c'est des sanctions administratives qui ont pris contre eux, si les gens qui doivent vouloir devant la justice, yo, oui, mais bien sûr, vous pensez, je dis, oui, mais attends, on était dans la même logique, quoi. Ou bien c'est Jodia, par exemple, puisqu'on souhaite admettre que en la Fantôme 509 là, il y a toute couche, il y a toute policier dans toute unité. Ou bien c'est Jodia, inspection générale, qui a décidé d'identifier, par exemple, deux toits dans et Fantôme 509, qui a boulé toute machine l'État, dans toute bureaucratie, etc. Ou bien c'est qui a décidé de sanction administrative contre Jodia. Ou t'en as pas inspecteur général en chef là, t'as fait ça? Alors, faut que moi, du tout, policiers yo révolté par rapport à comportement et inspection générale de la police là. Moi hier ou posé question à premier ministre et ou dit qu'il y a environ 50 policiers qui avec barbecue. Mais inspection générale là connaît que policier ça est sorti même si il ne doit pas de nom tout. Yo connaît est sorti dans Igmo, Simo IRGPN et avec Boyd. Il n'y a pas de rien. Leur poser premier ministre en question sur manger qui t'a distribué 6 avril et manger par est et vous pas barbecue. Premier ministre a dit policier ça a répondu une question inspection générale de la police. Là. Dans le mois de mai et mois de juin, nous maintenant NDDH, nous avons cherché qu'on est dans l'inspection générale de la police. Qui s'est passé avec policier ça a qui était avec barbecue 6 avril 2020. Inspecteur général en chef de la police a dit nous, c'est un inspecteur et la police qui t'a dirigé
et policier yo, c'est lui-même qui t'a commandé et événement yo, c'est lui-même qui t'a et bah policier l'ordre qui ça pour faire. Il était convoqué inspecteur ça, l'inspecteur a dit comme ça, il pas même reconnaître barbecue, il dit il pas mettre des négas où il allait. Donc policier ça yo, il pas répondre inspection, il pas répondre question inspection générale la police a vrai. C'est pas vrai. Donc, là, on a une situation comme ça, côté que l'inspection générale et la police n'ont pas fait travail. Côté que ça veut policier... dire ça. Ça veut dire que, au niveau inspection générale, ils n'ont pas intéressé à faire police là, ou bien ils n'ont pas gagné information suffisante pour que ils avancent à l'enquête là. Tout policier qui n'a connivence avec barbecue, inspection générale la police a fermé les yeux sur ça. Il n'a pas mené enquête sur policier ça, ou même les gagné information, pas rien. Ah, c'est ça. Et donc, c'est pour me capable de répondre aux questions. Et, ah, mais c'est même genre tout. Les fantômes 609 qui ont fait des audios dans la RIA, quand il y a l'inspection générale de la police, il n'y a pas de faire rien tout. Parce que l'inspection générale de la police n'a pas fait travail. L'inspection générale de la police a connu policiers qui ont des ordres avec barbecue. Par exemple, hier, dans la RIA, première machine. Et Fantôme 509 et Boulet, son machine, la police dans Delma 3. Et machine ça, et son machine qui n'a dans sous-commissariat Delma 3. C'est son machine qui toujours a et baille barbecue backup. Yo Boulet, yo connaît ça. Mais inspection générale, la police a connaît ça. Police a crasé. Pas de police. N'a Ouais, police là. Police là, dans le même état qu'elle était en 2004. Nous sommes la police nationale en 2001, 2002, 2003, 2004. C'est comme ça, police a régionné, je dis. Donc, ça veut dire que les policiers n'ont pas pris l'ordre, ils n'ont pas respecté l'hierarchie, parce que il y a des problèmes au niveau de l'hierarchie. Il y a des gros problèmes, par exemple, regardez ça qui passait hier. Dans Cabesson, et nouveau et DCPA. DCPA. On connaît que DCPA, c'est pour moi la police. DCPA, il y a entre 80 et 90% de police dans le même. Toute unité spécialisée, ni ça qui n'a pas l'air national, et toute direction départementale, il y a tout sous compte DCPA. DCPA, dans une interview par une radio, il m'a demandé pour une vidéo et résoudre le problème là, rien. Seulement ça le dit. Et puis, les policiers ont annoncé qu'ils ont pris l'attaque. Et puis, il y a une interview. Ou dit DCPA, tu as une interview? DCPA, il y a une interview hier et non radio. Et qu'il y a un policier fantôme. Et ils prennent, ils mettent sur les réseaux sociaux. Et depuis ça, DCPA fait interview, non? Et dans la radio PSPS, DCPA a parlé hier. Et grand message DCPA qui a circulé sur les réseaux sociaux. Ah, on va parler de radio communication. C'est pas interview que Libaï. Son message que monsieur passé by DDO, li kote demandé pour que DDO et stoppé dérive qu'a fait dans la rue. Ah, ok. Ça, yeah. Et puis il demandé par exemple, tout le monde et que au contraire, par exemple, exam et qu'a fait craser, mettre du feu, etc., pour que yo arrête yo par tous les moyens. C'est ça qui sorti comme voice. Mais son cadre dans la police qui te dit son interview, bon, en tout cas, information et l'issue. Non, ça me dit là, c'est exactement ça. Ça me dit là, exactement ça. Non, mais pour moi, pas tant d'elle, mais c'est dit au DIM que l'Iba ont interview et qu'elle sur les réseaux sociaux. De toute façon, l'Iba. Non, il n'y a pas interview, moi, du. Son message dans la radio. Son message radio communication, la police là. Mais d'accord avec donc, c'est pour justifier, son DIA, par exemple, que gagner. Et tout policier dans toute unité qui l'a dans qui n'a et Fantôme 509 là parce que ça vous comprenez c'est que
un message communication monsieur fait passer à DDO. Donc bon monde qui dans environnement DDO qui là comme policier qui a enregistré depuis la gueule sur réseau, c'est ça ça veut dire. Valérie, changez Dieu. 509 là, c'est la police là. Pas de unité dans la police là, même ça que la palais national yo qui des deux présidents qui pas et qui pas dans 509. Et les 509 dans la rue pour voir dans la rue, pour voir à terre. Pas de l'État encore. Et où est ça qui a passé? Donc, quand il là, c'est l'autorité, c'est le Premier ministre hein, qui pour chercher de façon pour les chita avec la police là, unité dans la police là, pour yo poser problème, yo, pour yo capable de jouer une solution. Ouais, Pascal, vous mettez devant son prétexte. Il y a libéré Pascal demain ou bien semaine prochaine, non? Il y a venu avec une autre revendication. C'est la police, c'est la force publique que nous gagnons. On pas capable de jouer. Non, qu'on dit qui crase, ou dit la police a crasé, bien expérience, non? Oui, il crase, oui. Malgré que j'ai ramassé, monsieur. On comprend le policier qui est dans la rue avec ZAM et qui a boulé machine et l'État, qui a attaqué le monde, qui a fait menace, et puis pas de monde qui est capable de dire rien. C'est dans l'institution qui est lié. On est sous pas chita avec vous. Puis t'as pétri ici, et moi, 10 ans encore, je vais prendre ni encore. Et je vais continuer à dire jusqu'à ce que l'émission a fini. Il dit que les 509 dans la rue, fantômes dans la rue, pouvoir dans la rue. L'État dans la rue. Pas okay. L'État encore. Ça veut dire que, pour ne pas confondre l'expression qu'on utilise pouvoir dans la rue, ça veut dire que ce n'est pas pouvoir qui a fait action, ça veut dire que l'État en rien lingue. Voilà, c'est ça que vous l'avez dit. Ça veut dire l'État n'a pas existé. Comment dit en rien lingue? En rien lingue, l'État n'a pas existé. Oui, il va exister. Pas rien l'État. Oui, ça dit que pas rien l'État, c'est ça vous l'avez dit. Il a pas rien l'État. C'est ça vous l'avez dit. OK, Fouya. Policier pas pour tirer sur policier. Ouais, mais ou d'accord tout que 509 là, leader deux premiers ministres, leader deux présidents, il y a deux DCPA, il y a deux directeurs généraux de la police, il y a deux ministres de justice, il y a toute autorité. Il y a tout côté. OK. Kounia, si c'est comme ça la police là yé, ou d'accord avec tout bien espérance, je dis à pas qu'une sanction qu'a pas contre policier si Phantom 609 pas d'accord. Phantom 609 c'est la police là. Et si autorité yo aller dans confrontation, situation plus grave. C'est pour chita pour résoudre problème la police là. Et pour y retirer frustration ça, nan démanteler Genève là, parce que Genève là, c'est une pigou frustration, une pigou revendication policière, et y'a pas dit li, mais c'est une pigou revendication yo. Le regard de l'État. Ça veut dire pigou revendication, c'est Genève là, ça lié, ça veut dire. Non, par exemple, Genève là, y'a ouais que Genève là, c'est pour voir mettre le campé, y'a pas l'exemple. Ah, en face yo. Y'a mettre en face yo, y'a pas munitions. Genève là a massacré la population dans le quartier défavorisé. Policiers, yo même tout, yo des familles, yo des cailloux. Et par rapport avec puissance qui a touché, yo pas capable de l'autre côté, c'est dans le quartier défavorisé, yo y est tout. Yo victime même gens avec population. Et bagarre ça, révolté. Nous-mêmes, nous tant des policiers, et un plus policier. Qui souffrent dans et sédition, qui victime des policiers qui ont des secours, qui victime dans le quartier défavorisé, et par rapport avec les gangs, et eux-mêmes, ils n'ont pas gagné recours. Si il y a des recours, ils ont sanctionné. Ils n'ont pas capable même, à dénoncer et collègues, confrères, qui et avec Genève. Ils ont fait représailles sur eux. Si elle fait ça, dans l'inspection générale, il a fait une prise à l'issue, il a transféré.
gros problème dans niveau la police là. Et policiers de 2017 pour y venir nous dire, il a souffri, il a victime de toute bagaille. Est-ce que G9 là gagne policier là dans l'expérience? Pour Pipiti, G9 là gagne 50 policiers là dedans. Inspection générale de la police là et il a environ 20 policiers qui n'a G9. Ils connaissent. Qui sont les gagne en non, policier gen non yo ki avec babek. Ah, gen non yo. OK. Li gen non yo, lèm di gen non yo. Li gen non yo, li gen tout information, li kon yo kon li yo gen non yo. Yo pa rien. Yo pa mené, yo pa faire. Hier premier ministre Joseph Jout dit que babek son bandit et que c'est parce que yo pou ka yon ni fait que yo pa procéder à arrestation. Lèm di men barbecue visible, barbecue dans la rue, il fait intervention. PM a expliqué que il a évité dommage collatéral parce que très souvent son côté monsieur campé, etc. Bref, qui sont où est l'intervention PM Jouta dans ce sens-là. Bon, premier ministre reconnaît barbecue, c'est un bandit, mais pas rien et c'est un chef gang, pas où est aucune autre autorité et dans l'État qui dit que barbecue son chef gang, c'est un bandit qu'il y a. Et barbecue, c'est la police, c'est machine officielle, c'est ministère intérieur, c'est palais national, et qui bat le couverture, c'est la police qui assure des déplacements. Et nous, c'est des policiers qui n'ont unité dans la police qui fait ça. Igno, Simo, IRGPN, avec et Boy. Premier ministre en connaît. Et gros état-major, la police a connaît. Yo connaît qui ça pour faire. Si yo besoin arrêter barbecue, il a arrêté barbecue facilement. Il a pas arrêté. Et il a pas arrêté. Mais yo pas voulu arrêter. Et yo pas voulu arrêter barbecue. Parce que barbecue, pour voir bah, une mission, pour lui contrôler tout quartier défavorisé pour PHTK capable de renouveler tête dans la prochaine élection. Barbecue dans Delma 6, récemment, ça a gagné environ 2 mois, on y mettait un bureau et dans Delma 6. Et c'est Barbecue qui baille Mounio document. Et c'est lui-même qui accompagne les gens qui parlent des papiers pour y aller faire 4 d'identification nationale. Ok. Donc, ça va faire ta cachette, ça? Non, nous avons 2 mois qui nous dit ça. Ce n'est pas les gens qui sont capables de mentir, c'est une réalité. Bon, il y a un petit café bio, ça vient depuis l'attaque à fête sous Bel Air, ils font un petit café. Et pendant le mois de septembre, là, mais c'est barbecue qui a dit mon yo, mais ça qui pour le faire que au monde même sous pas aucune pièce ou pas aucun document et depuis barbecue accompagné et liba ou note il a fait 4 d'identification pour vous. Donc et barbecue a travaillé pour pouvoir et où ouais les barbecue mettait G9 là et campé dans le mois de juin et CNDDR là applaudit et ça yo dit yo bon travail pour yo faire avec G9 là et qui travaille ça yo besoin fait yo fait gang proche pouvoir mettre tête ensemble yo fait yo pour yo capable gagner contrôle quartier populaire et là yo fin gagner contrôle et ça yo pour ça bien contrôle ça yo c'est parce que quartier ça yo quartier défavorisé c'est bastion et m'ta dit résistance côté que les mobilisations grand pile monde qui sorti etc. Là yo fin gagner contrôle quartier défavorisé yo. Les ça, il a cherché l'argent pour le mettre dans main CNDDR et il a pris les gens ça, agent communautaire pour service qu'ils rendent pour population qui ont massacré. Donc ça veut dire que CNDDR là quelque part, ils ont utilisé comme outil pour faire travailler ça. Oui, CNDDR là c'est les mêmes pouvoirs et utiliser pour faire les ponts entre G9 là et
ministère, tant que ministère affaires sociales et ministère intérieur, mais dans le palais national, c'est des mouns dans l'IGPN et qui fait contact directement avec, qui fait contact directement avec barbecue. Par exemple, les barbecue besoin fait transférer policiers. On est dans Maya. Maya, c'est une zone qui est tout près d'Elma 6. Les barbecue besoin fait transférer policiers qui sont dans Maya, mais ça, il passe par contact quelqu'un dans le palais national et dans l'IGPN et les ça, il fait inspection générale. La police a fait transférer ça. Donc, mais toute frustration, ça donc, ça veut dire que vous voulez dire que barbecue, t'as de connivence avec inspection générale de la police, ça? Pas lui-même dit directement, mais. Non, dit inspection générale, pas dit inspection générale, dit inspection générale. Non, c'est pas lui-même qui fait ça directement, lui fait via IGPN. Ah, d'accord. Donc, IGPN. C'est, donc UIGPN oui. Capable de passer des instructions à l'inspection générale et puis vous faites transfert? Oui, vous faites transfert. Bon, je vais essayer de comprendre mon bagage là, bien expérience. J'ai 9 là qui est policier là-dedans. Fantôme 509 là, c'est policier. Oui. Maintenant, qui ça différence là? C'est la police là. C'est la police là. Comment? Fantôme 509, c'est la police là. Ok, vous dites Fantôme 509 là, c'est la police là. Oui. Maintenant, Qui différence, et Mdaka dit, de réflexe que deux groupes ça a gagné? Qui ça fait G9 différent de Fantôme 509? Bon. Puisque G9 prend la rue avec ZAM, l'écrasé, l'ébrisé. Fantôme 509 prend la rue avec ZAM, l'écrasé, l'ébrisé. Bon. Nous sommes capables de dire, différence qui gagne, Fantôme 509, là. Yo même c'est la police là et yo faire revendication au passé et avec violence mais yo même yo pas impliqué dans massacre et dans quartier défavorisé et Fantôme 509 là yo même yo opposé avec sa pouvoir à faire dans quartier défavorisé. Fantôme 509 là, yo révolté par rapport avec Jean Pouvoir à mettre des armes dans main et G9 là pour massacrer la population. Hein. Et donc vous voulez dire que, ça veut dire vous voulez dire tout ça Fantôme 509 a fait là, c'est dans l'intérêt population, dans l'intérêt quartier populaire. Yo. Et pas capable de dire tout ça a fait, yo fait yo dans intérêt population dans intérêt parti populaire et dans intérêt mon dit c'est la défense et... non admettez-nous d'accord moi j'ai commencé dans interview pour condamner Jean Fantôme 509 à faire revendication yo et passer yo contre toute norme démocratique yo et intimidation craser briser n'importe qui capable et victime. Donc, dans ce sens-là, je ne suis pas capable de dire que tout ça a fait, yo, et il a allé dans l'intérêt de la population. Non, mais c'est pas ça. Mais je dis que, même, yo sorti dans le quartier populaire, yo sont victime dans la population, yo victime même genre avec la population. Yo crasé caillou tout, même gens avec, yo crasé caillou population, ma parle aux policiers. Donc yo révolté par rapport à comportement pouvoir et gagné avec GDF. Donc comme yo même dans Fantôme là c'est policier qui yo yé, donc faut que yo joigne au couloir pour yo chita avec yo pour yo résoudre problème yo. Et même gens nous même dans l'ancien appel nous dit que ça a fait yo contre et toute norme démocratique, ils n'ont pas capable d'utiliser la violence pour faire une revendication et passer. Et il faut qu'ils acceptent chita avec CSPN. Et il faut que CSPN n'a pas aller dans la confrontation tout pour chercher à résoudre le problème. Parce que le problème est plus profond
parce que ça nous t'a pensé parce qu'en plus mon okay, bon, que... est-ce que qui ont interprété déclaration barbecue par exemple que me donnait qui dit et d'ailleurs pas jamais accusé pouvoir lui-même ouais et la interprété OK on dit la travail pour pouvoir maintenant qui ont interprété déclaration que le fait que il cite aussi deux monde qui dans opposition qui balle moyen, qui balle munition, qui balle produit, qui balle l'argent. Qui j'aurais interprété ça? Bon. Et premièrement, va et barbecue confiné, ça nous te contente. Et il y a des monde dans opposition qui compte balle l'argent, qui compte balle moyen et licité de nous tout dans le secteur privé là. Et oui. Bon, moi-même je pense que nous avons défendu les principes, nous avons bataillé pour la société si tu as son état de droit. Nous pas dans l'état de droit, je veux dire, tout indicateur est au rouge. Ou pas capable, pas gagner qu'on est capable de faire avec bandit. Bandit, c'est mercenaire qui est au yé. C'est monde qui va au plus avantage, je veux dire, c'est avec yo yé. Et bandit pas bien l'autre bagaille qu'il fait, c'est tout le monde, c'est violer le monde, c'est kidnapping, c'est voler bagaille monde. Donc monde qui dit y a moment pour état des droits, monde qui veut changement en dans pays là, monde qui veut renforcer cap bataille pour renforcer institution yo, il y a deux institutions qui c'est moteur démocratie là. La police et la justice, ça, ou pas capable d'en connivence avec bandit. Mais m'a dit où, Valérie. Et barbecue son lâche, oui, mais j'ai lâché un pilou. Avant, elle a dénoncé des mondes, mon politique avec mon secteur privé, mais bientôt, c'est pour voir, il va le dénoncer. La cité, non, oui. L'autre monde dans le secteur privé qui n'a connivence avec barbecue, qui convoie l'âge en Bali, qui convoie Zambali, qui voit une motocyclette Bali, qui voit une munition Bali. L'abdio tout. Parce que Michel arrivé dans une situation côté que Livine paraît un élément gênant pour pouvoir. Et où est une des autorités et au plus haut niveau dans l'État qui commençait à critiquer barbecue et qui va faire l'avant. Jean-Premier ministre fait hier. Donc, et Bali. Ancien ministre de justice là, t'es d'ailleurs t'es très sorti et contre et monsieur et par exemple dit que c'est pas un dossier qui fait que on a été pour Luc Mandela il perdit job lui par exemple. Non, c'est ça que le job lui. C'est ça pour t'aller. Et donc c'est ça pour t'aller. Donc nous pas connait qui sort au réservé pour premier ministre après déclaration ça il fait et sous barbecue. Mais barbecue sont monde qui très puissant dans pouvoir. Les puissants dans le ministère intérieur, les puissants dans l'inspection générale de la police, là, les puissants dans le palais national sont des qui très 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 puissants. Ils font salver et bagaille ça, révolter la police. Là. Les okay. Au niveau de. Là. D'accord. Au niveau de CNDDR, là, et je fais connaître que Wallio, c'est pour parler avec tout groupe qui a des âmes. Et parce que pouvoir pas gagner doit parler avec eux directement, donc eux même ce travail par eux à faire. Bon. Et Valérie, moi tande nan micro pa ou, et yon CNDDR qui a fait éloge pour Genève là, parce que gang yo a fédéré yo, yo bon travail pour yo faire ensemble. Et nous constater depuis Genève la fédéré yo regroupé ensemble, nous yo vinn pi arrogant, yo fait une démonstration et dans la rue Port-au-Prince et le 7 juillet 2020 et yo accéléré dans attaque qu'il a fait dans quartier populaire yo. Donc yo depuis yo formé là, yo fait et Pont Rouge, yo fait Cité Soleil, m'a dit massacre dans Pont Rouge, massacre Cité Soleil. Et mes cousins là et Yolan Belé et m'a dit où Valérie depuis ma milité la question droit monde, c'est première fois moi ouais autant de massacres qui fait son pouvoir,
nous, 9 massacres, sorti novembre 2017, pour arriver à journée aujourd'hui. Dans tout massacre, ça y a eu un barbecue là-dedans. Est-ce qu'on connaît? C'est seulement des CPJ qui te mettent un avis de recherche contre barbecue. Tout ça, où est-ce qu'on fait là? À tête qui continue dans le quartier défavorisé. Eh bien, paquet Port-au-Prince, commissaire gouvernement, ou bien, ou t'as dit tout, j'ai une instruction qui est plainte dans le qui de ces salles de plusieurs juges, pas jamais un mandat qui décède contre barbecue, contre un membre Genève là. Y'a pas jamais mis action publique en mouvement contre barbecue. Et barbecue puissant, il est très puissant. Le monsieur dit, le monsieur a pédicité dans le monde. Est-ce que vous pensez, l'espérance? Oui, Valérie. Est-ce qu'on pense que ces diversions que M. a fait, le M. a cité non par quatre monde, par exemple, il cité non, il dit que, et, ou t'es abordé, pour, attaquer Mario Lengil, etc. Et, ça, c'est une diversion? Je ne vais pas parler avec lui. Et donc, c'est pas un. Moi-même, sur les réseaux sociaux, mais c'est pas un monde que je connais. Bon, moi-même, pour respect que je gagne pour la vie du monde, que le pouvoir ça a banalisé, et je ne suis pas capable de répondre ça à un bandit. Et a dit un criminel notoire et comme ça et tout le monde connaît qui ça le fait et dans le pays. Ma prend un dernier massacre qui nous a documenté, massacre Cité Soleil, 111 monde mourir, 48 monde disparaître, 18 femmes violées, viol collectif. Ouais, et toutes ces Genève là. Donc pour respect que nous avons pour la société hein, et pour le monde qui a coûté l'émission, hein, je ne suis pas capable de répondre et ça, on bandit, ça, on délinquant, a dit. Mais écoutez, Mamadou, Pierre Espérance, un petit problème technique là, tout petit. Posez-le. Là, on bandit, par exemple, parler, monsieur est certain, si barbecue dit que c'est pouvoir qui va le faire ceci, qui va le faire cela, n'a pas le sérieux. Non, mais s'il dit, s'il dit que lui-même, ni sous contrôle par les nationales, n'a pas le sérieux. Bah, ça fait pile buzz, bah, etc. Mais s'il dit un autre bagaille, s'il dit un autre bagaille contre l'autre monde, nous pas prendre le sérieux. Pourquoi ça nous décide qu'il est bon de prendre le sérieux ou pas? Non, Valérie, c'est une voix officielle, oui, qui dit ça. Et c'est MDDE là. C'est eux-mêmes, moi, qui dit comme ça que. Ils ont encouragé les gangs dans la zone métropolitaine qui viennent former Genève là et pour mettre tête ensemble pour fédérer. Oui, c'est eux-mêmes qui disent ça, oui. Ça, c'est un. Deuxièmement, allez, nous avons un massacre et la Saline. Dans le RNDDH, nous disons massacre la Saline, c'est un massacre d'État. Et mes sociétés avec la communauté internationale là, te prend 4 mois pour te reconnaître que les massacres sont massacres d'État. Ou bien ni rapport de l'ONU, ni rapport de CPJ qui confirmait que des autorités dans l'État qui impliquaient les massacres à côté de barbecue qui préparait les massacres. Donc c'est ça que nous-mêmes, nous avons suffisamment d'informations. Non, mais nous avons des preuves qui montrent que barbecue, Jimmy Cherizier, Genève là, c'est pour l'État qui la travaille. Donc, si on vient dire non, et barbecue n'a pas connivence avec tel groupe, et tel monde dans le secteur privé, tel monde dans le secteur politique là, nous ne pouvons pas faire comme ça. Et nous-mêmes, c'est à partir de l'enquête que nous menons sous terrain, et Valérie, nous avons des informations, nous avons mené enquête, nous avons des dossiers. Si moi-même, m'entre dans le bureau de la Kounia, ou d'imvoye un vice-policier qui n'a pas de connivence avec barbecue, m'a voyé ou pas où?
inspection général la police a gagné dans mais yo nous même RNDDH l'en a fait travail. On t'ai parlé de ça, on t'ai parlé de ça hier Pierre Espérance. Bon problème qui présentait là. Oui. C'est que inspection générale là, il pas le fait enfin, il décide pas dans logique de faire abus tout. Dans le sens que le ballon liste moun mais faut que mène enquête là, comprenez bien Pierre Espérance. C'est parce que RNDDH font enquête et puis le voye le bail la police et puis automatiquement pour inspection générale prend l'exécuter, comprenez bien oui. Souvent on lit 20 moun par exemple ou dit qu'il est impliqué dans massacre. Mon d'accord inspection générale là faut l'amener enquête par li parce que et pas RNDDH qui là pour faire travail ça pour la police là RNDDH mm-hmm. Qui des sociétés à dans ça mais pas qu'on prend l'sport là et puis on décide à exécuter Valérie Pierre Espérance RNDDH pas voyer liste dans inspection générale la police là pour dire les policiers qui n'a connivence avec barbecue nous prend information que nous gagnons. Nous chita avec des CPJ. Nous chita avec ou état-major la police là. Yo confirmé même information ça avec nous. Yo connaît yo. Yo gagné yo. Et bon exemple là, et barbecue et Valérie et sous barbecue Valérie. Moi dit que et barbecue le 6 avril et 2020, tout le monde a constaté sous réseaux sociaux un groupe policier qui a distribué manger et cal sécurisé et barbecue cap distribuer manger. Et moi pour un exemple moi dis que les nous dans mois juin et moi et dans mois et mai et juin les nous mandé inspection inspecteur général en chef la police là qui ça fait il dit relé un seul monde était parlé avec inspecteur qui cap diriger opération hein. Et inspecteur a dit lui il pas contre barbecue il dit pas mettre des nettoyage pour aller. Donc là c'est pas moi qui non ça yo. Yo gagné yo. A pas moi exemple et ça qui passé hier, moi dis que et premier machine et Phantom 509 boulet, c'est un pick-up et qui affecté et nan Delma 3. Et pick-up ça toujours avec barbecue, dit toujours mener opération avec barbecue. Et ça, la police connaît, et ça, et l'inspection générale, là, au courant tout. Ils connaissent. Ma bonne autre exemple encore, et Valérie. Delma 3, et dans sous-commissariat, ça, les barbecues pour mener opération dans Badelma, ils passaient dans sous-commissariat, ils disent les policiers rete dans le commissariat, pas sorti de la rue. Barbecue, dans monté descend dans 6 mois tout le temps. Li gon paquet policier Idbo qui soupe wol li. Inspection générale la police a konnen. Wo état-major la police a konnen. Nous pas voyer lis policier by inspection générale la police pour faire mon abus. Nous c'est une institution qui toujours a défendre policier. Les y a maltraité policier, les a fait policier abus. Et nous toujours dit travail inspection générale la police a pas là seulement pour sanctionner les policiers là ont fait ça pas ça mais faut qu'ils gardent conditions de travail policiers tout ça m'a dit au yo des barbecue c'est connu yo connaît la police a connaît ouais état major la police a connaît inspection générale la police a connaît et nous même gagne des informations dans chita avec yo des informations sensibles nous chita avec yo yo confirmé même bagage yo pas fait rien. OK. Kounia, et ça c'est réalité la police là et mais à la seule différence c'est Pierre Espérance une reproche toujours fait et en pile une organisation qui a défendre le monde c'est que rapport yo position pas toujours équilibré c'est-à-dire on a l'impression comme si d'adou yo gen force côté dans façon à regarder et question yo qui vient faire que le gagnant un cas qui présenté dans un camp li présenter aux gens, ils comprennent nous gens, laissons l'autre li présenter en l'autre façon. Est-ce que c'est pour des raisons de sécurité? Bon, probablement parce que nous même avec la justice je dis on juge à peur pour prendre telle position parce que nous connaît que la ville qu'en jeu. Je dis à si tire le pas rien qu'a fait, les gars passer là sous machine, ils fait le descendre, ils mettent du feu là-dedans, pas rien qu'a privé, c'est le problème de ça. Au cas ba moi des exemples Valérie, pour me répondre question là.
À partir de quoi? Non, on dit dans la... Ah non, 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 ne pas parler de... Non, 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 ma parle de reproche que vous faites et ensemble d'organisations et Cap Défendre le Monde. Par exemple, on a parlé de cas et G9, nous parlons de Fantôme 609, il y a des policiers qui parlaient là, qui écrivent, qui disent que... Et est-ce que Pierre Pacon est que gagner un ensemble de policiers qui à la fois nain et Fantôme 609, mais qui n'ont ensemble de base gang tout. Si enquête est arrivée là, est-ce que Pierre pas au courant de ça ou tout? Mais Valérie, je pense nous répondre sur ça déjà. Et où dit est-ce que pas de, ou te dit, madame, est-ce que pas de policiers dans Genève qui n'a pas ça? Et dans le secteur qui n'a pas ça? Ou parler des anciens policiers, policiers qui sous sanction qui n'a pas ça? Et bon expression qui dit, ma bouille à face en bas, par contre, fallait mal effet. Ça t'a étonné, moi, pour dans la RIA, et pas de policiers qui n'a pas ça? Et qui n'a mouvement, moi-même, dans toute intervention qui m'a fait là, depuis que je commence à parler, je ne défends pas le fantôme 509, je ne défends pas l'institution de la police, je me crase. Et je dis, Valérie, et fantôme 509, c'est la police là. Qu'on est là, c'est l'inspection générale de la police là qui pour conformer, qui pour faire travail. C'est CSPN qui pour joindre un couloir. Pour discuter avec policiers yo, et toute unité dans la police là. Parce que ma préprenant encore, moi insister, moi dis 709, c'est la police là. C'est pour chita avec yo. Pour yo retirer yo dans la RIA. Ça qu'a fait dans la RIA, pas bon pour le pays. Li pas bon pour la société. C'est nous-mêmes qui victimes. C'est nous-mêmes qui nous livrons à nous-mêmes. Laissez policiers qui prennent des armes et qui a fait violence. Pour faire revendication passée, et mais ça, nous avons une anarchie totale. N'importe quoi bagaille capable de river nous. Et, c'est pas un exemple hier, pendant 509 dans la rue, il y a des gens qui mettent des cagoules, qui volent les bagailles. Il y a tout le monde, il y a toute qualité de monde dans la rue. Qu'on y a, c'est vrai, autorité qui pour travailler, pour retirer dans la rue. Et je, premier ministre, n'a dit, parler dans la confrontation. Et retirer dans la RIA, chercher. Bambozo, bambozo, une question qui est extrêmement sensible, bien expérience. Est-ce que dans le rapport RNDDH, li identifié qui est qui fournit tout le monde qui a des armes et dans la RIA, est-ce que li gen liste qui est disponible, c'est li pour qu'on mette le dehors? Qui gagne là-dedans tout le monde qui t'a impliqué dans Founi Mounio Zam, que ce soit G9, que ce soit et Fantôme. C'est parce que même là, on a parlé de la police qui est dans la rue, nous toujours plein parce que pas de munitions, policiers a les gagne 10 grains de balles, et policiers et malheureusement les ont tiré, l'obligé à faire réserve. Mais le gars des quantités de gros âmes qui sont dans la rue, il a tiré chaque jour, etc. Il y a pile munitions. Oui, bon, je ne sais pas question, ça c'est une question qui est sensible et pour moi, et pour plusieurs raisons, nous connaissons Haïti, pas fait ZAM, ni munitions, ZAM yon rentre dans le port, dans la frontière, dans l'aéroport. Je m'en suis depuis environ 2 ans. Côté que, il y a toujours annoncé, il y a saisi ZAM. Et n'a pas capaïtien. Yo saisi zam la fito et Saint-Marc. Beaucoup de gens mouais yo présenté moun qui met zam za yo. Et donc zam yo yo rentré et yo rentré dans le pays. Et pour et gang yo Genève là et l'autre yo et bon nous gang yo vient met yo. Il y a des gens dans le secteur privé qui ont des âmes, il y a des gens dans le secteur politique qui ont des âmes, il y a des gens dans le pouvoir qui ont des âmes, par exemple, et Genève, et c'est le palais national qui toujours bat les munitions. Donc,
Genève là des moun k'ap bal zam avec munition puisque zam zam bandi yo pa ram bébé et yo yo pi bien équipé parce que la police ça maintenant policier gen zam illégal oui policier gen paquet zam yo gen zam pa yo yo paquet zam et illégal donc question zam, problème zam illégal ça son gros gros problème et en dans pays là. Et c'est ça qui fait m'a tourné avec question qu'on te posait premier ministre hier sous question intelligence renseignement. Écoute, premier ministre a passé à côté et sous question ça la police pas joindre l'argent pour renseignement. L'argent renseignement lui était dans primature dans ministère intérieur avec palais national et il y a pas gain service renseignement vrai. Ça veut dire que ça n'est pas seulement dans le pays dans la question des armes illégales, c'est politique, autorité, c'est eux-mêmes qui voulaient nous arrêter là, eux-mêmes qui voulaient nous arriver là. Maman de Pierre-Séance, est-ce que son seul camp qui a financé ça qu'a fait yo, et nous avons dit attaque dans le quartier populaire, et massacre qui a fait yo, est-ce que son seul camp qui a fait les armes? Non. Regardez, dans le quartier populaire, Genève là, c'est pouvoir. Par exemple, par un quartier populaire, je ne vous dis rien, par un quartier défavorisé qui par des armes illégales. Et par une zone en d'un pays, par un côté dans la zone métropolitaine qui par des armes illégales. Les armes de tout partout, de tout côté. Et quand il est là, ou garder au niveau et Genève là et c'est pouvoir mais attention par exemple Belé depuis 31 ou songez était un massacre qui fait Belé et l'année passée dans le mois d'octobre novembre 2019 et mais qu'on est là Genève sorti dans Delma 6 ont attaqué mon Belé Belé ils ont mis illégal. Il y a des armes illégales. Et ça, Mando, bien sûr. Mando, est-ce que, même Jean, par exemple, c'est clair que vous assumez, vous dites que toutes les armes que Genève joue, c'est palais national, c'est pouvoir, et groupe qui proche pouvoir, etc. Mando, est-ce que dans un pays, il y a un autre groupe que l'autre monde, l'autre secteur financier, tout qui est surveillé? Mando, qui est surveillé? Moi, je réponds déjà, je dis encore, moi, il y a des gens dans le secteur politique, là, dans l'opposition, qui baissent les armes, et il y a des gens dans le secteur privé qui baissent les armes, tout. Parce que c'est le secteur privé là, qui fait, avec l'État qui fait les armes. Est-ce que RNDDH gagne un rapport qui sorti, même j'ai eu non policier qui n'a des ordres que vous mettez ou vous y allez à, est-ce que vous avez un rapport qui gagne non mounsaïo? Moun qui n'a pouvoir, moun qui n'a opposition, moun qui n'a secteur privé. Est-ce que vous avez besoin de non mounsaïo écrit ou vous impliqué dans ça? Est-ce que vous avez besoin de ça au moins? Non, nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas d'expérience dans le domaine. Qui domaine? N'a pas de citer non moun de Pierre Espérance, pas d'expérience. Non, ma pécigo. N'a mené enquête, écoutez, oui, parce que son enquête pour elle mener, n'a pas eu, n'a frontière, n'a aéroport, n'a zam et rentré, qu'on est là, faut ajouter tout, moun qui n'a connivence avec moun qui a fait zam yo. Et rentrer yo, que c'est moun dans le secteur privé, moun dans la classe politique et moun dans le pouvoir. Parce que nous pas capable de rester comme ça pour citer nos moun comme ça, de pour identifier ce que ça yo. Bien sûr, vous avez suffisamment d'informations côté en mesure ou confirmer que palais national bay zam, palais national bay munition, palais national financé. Mais vous n'avez si vous dites que des gens qui dans l'autre secteur, notamment secteur privé, secteur politique, etc. Pour que ça fait qu'on pas gagner même données autour pour que nous dit mais qui est et tout ça que ça empêche même en quête ça pas arriver là. Valérie, faut qu'on fait une enquête sous monde
cap rentrer zam en dans pays là. Et mais c'est ça nous nous t'a supposé qu'a fait ça. Un peu plus peu moins mon cher. Valérie, mais pas d'enquête sur ça. Ne pas capable faire enquête sur ça, c'est ça. Moi bien dit oui, moi tout consacré. Qui ça fait pour pas capable enquête sur ça, pas ça fait ça. Valérie, zam yo rentrer dans port, dans frontière, dans aéroport. Kounye la, pou al mene anket sou kesyon zam ilegal kap rentre e an nan peyi a. E pou jwenn destinasyon zam za yo, sa mande un paket travay. Sa mande un paket ekspertise, Valérie. Se sa bri dou. E koute, mwen men, sa ke mwen pale de Genève kon sa, polis mwen konen. Hello? Hello? Oui, excusez, oui, et... Allez-y. Et Kassa dit ça, oui. Ça, je ne peux pas aller diriger des choses, je ne peux pas aller des policiers qui ont des armes et illégales, c'est parce que tout le monde connaît officiellement que Genève, là, c'est pouvoir créer les... Et nous, nous-mêmes, nous avons des yeux avec des oreilles dans le quartier et défavorisé yo qui fait nous connaît des mouvements que groupe armé ça a fait mais OK mais le attendez bien expérience le gain deux groupes kaboumé you na face l'autre pas dit que c'est pouvoir qui a armé tous les deux groupes yo. Qui est le deux groupes ça kaboumé a non le gain non le gain face à face qui a fait un différent groupe. Oh mais écoute le fait sous comment il va et Gravina le fait Cité Soleil par exemple hein ah non ah mais oui mais Cité Soleil ah mais justement dans rapport Cité Soleil non c'est ça qui fait important faut nous venir avec précision si on prend Cité Soleil RNDDH fait un rapport sur Cité Soleil mais rapport Cité Soleil là nous font un rapport équilibré côté que nous montrer que gagne Genève qui voulait prendre contrôle et Cité Soleil et gagne une autre gang qui puissant dans Cité Soleil qui gagne des relations avec monde dans secteur politique là et secteur privé là et qui est victime cette population civile là ça nous dit un rapport que nous fait sortir Cité Soleil là nous dit le rapport là. Valérie, yon nan bagay ki RNDDH genyen nan kat travay li, sa met la nou pa gen pas pou ki nan travay nou, nou pa nan pati. Ok, kounye abamdjou, an nou fèm interview apè espérance. Si gen de goup gang ka goumen, kelke swa apatenans goup sa yo, nap dil. Ok, bamando, jodi a ba exemple, an nou gade sa krive la, qui j'en pense ces solutions qu'a joindre là qui ça pour faire là jodi à là bon si et pouvoir et société a parlé pita et pitris et premièrement bon côté et population faut qu'yo démarquer de tout monde qui a utilisé violence pour faire revendication au passé et violence là et li compte toute norme démocratique quel que soit groupe là qu'on y a n'a parlé des sociétés à faire révolter contre ça pouvoir lui-même c'est pour yo freiner et van ça nan alimenter gang yo bandi yo et nan aussi des quartiers défavorisés nan pays a rentrer et mettre bon gens service renseignement campé pour contrôler yo pour yo capable et rentrer dans yo même pour yo faire filature pour yo capable joindre yo identifier yo arrêter yo traduire devant la justice kounye là pour la police là c'est pour CSPN là premier ministre là c'est pour retirer policier yo dans la ria retirer yo dans la ria chita avec yo garder problème yo et chercher solution et ensemble avec yo pour institution pas craser net mais faut pouvoir prendre courage pour reconnaître qu'ils font erreur nan mettez zam nan mes bandits parce que
ou pas là pour protéger ses vies, ou pas capable là pour protéger et institution yo, et puis c'est et pour nous craser institution dans renforcement dit et puis pour aujourd'hui ou nous ou vinn gagne un Genève qui en face et la police ou bon Genève qui en face la police n'importe bagaille capable arriver à n'importe qui moment et Valérie nous livrer à nous-mêmes nous livrer nous fatiguer nous mourir trop pour mourir trop sans couler dans la société mm-hmm. Et c'est sûr que et en pile monde jodi a par exemple a réfléchi sur avenir pa yo m'pa gen doute non Pierre Espérance que jodi a un monde k'ap sorti dans la rue a li connaît que li pas sous contrôle rien et li connaît que k'ap sorti là li gon gen balle et ki ap tann ni et si la avec un petit machine yo ka juste dit le descendre et puis mettre du feu là-dedans pa gen rien k'ap rive et cetera et un monde ki doit travailler pour diable non bureau l'état et puis c'est rété au pété du fait sous lit et au monde on dit parce que là bail service qu'on a qui attitude pour monde qui gagne je dis à là au monde qui gagne machine service c'est ça ou d'accord la peur prend la rue avec ou d'accord avec ça exactement où est-ce que passé lundi et où est-ce que passé samedi lundi annoncé après samedi lundi et puis qu'on est là et monde et qui gagne machine service l'état dans main yo pas sorti mardi et yo pensé te gonti calme et sans yo pas annoncer yo sorti hier ouè quantité de gars qui fait et ces populations en cap victime et donc li important pour autorité au fond effort tant prix font effort pour pays a pas yo pas rien pour frapper les somats yo pour jouir privilège qui lié avec fonction seulement et nous gagnons pour nous remplir mission, nous font bagaille pour pays a. Valérie m'a pour exemple. Dans ça qui passé dans Covid-19 là. Dans Covid-19 là, tu dois servir on leçon pour peuple haïtien. Virus a rentré, moun qui malade, moun qui gagne l'autre problème pas aucun poto ka aller. C'est dans pays où pour rester. Mais font bagaille. Moi-même moi ouais en pile on a relé sur les réseaux sociaux, il y a relé. Yo estomaké, yo révolté par rapport avec ça et Phantom 509 a fait, il a boulé machine dans l'aria. Mais c'est pour nous lever camper contre tout, lever camper contre violence tout qu'a fait dans quartier défavorisé yo. Qui ça vous directeur général police a fait matin là. Jodi a là si par exemple livrez vous un signal, ça vous le fait. CSPN n'a qu'à faire bagage seulement. Pour faire qui ça? Qui j'aime vous faire? C'est pour Yoshita, pour yo évaluer la situation, hein? Et pour yo retirer, et pour Yoshita, policier, yo, pas aller dans la confrontation. Faut yo mener enquête pour identifier, puis devant, ça va faire des ordres, oui, mais pas aller dans la confrontation pour nia. Chita avec les policiers, identifier le problème, yo, pour yo commencer à résoudre le problème, yo, progressivement, pour yo retirer les policiers, yo, dans la rue. Et puis l'autre bagaille, tout, démanteler Genève là. Démanteler gang yo quel que soit gang yo quel que soit côté yo et démanteler yo c'est pour démanteler yo parce que gang ça yo a renforcé yo vinn mettre yo en face et la police là li pas bon pour sécurité en dans pays là li pas bon pour institution la police là li pas bon pour population mm-hmm. Merci à pile de Pierre Espérance à bientôt Kembe FM bon travail voilà notre invité Pierre Espérance.